Manuel Ugarte, est-ce le nouveau Rodri du PSG? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manuel Ugarte. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Manuel Ugarte. Dans une interview, il a encensé Kylian Mbappé et à juste titre, c'est son coéquipier et c'est le leader du PSG, etc. Mais je voulais revenir un peu sur les qualités de Ugarte. Franchement, ce mec bonifie le PSG, notamment au milieu du terrain. Ce n'est pas une personne qui se contente seulement de récupérer le ballon. Il récupère le ballon, il se projette, il casse les lignes. Je vois en lui du Rodri. Rodri de Manchester City. À intégrer moins, bien sûr. Mais c'est un mec qui peut encore progresser. On l'a acheté, je pense, au Sporting pour 60 millions d'euros. Certes, c'est cher, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup vu le potentiel du joueur. C'est un mec qui va beaucoup apporter au PSG. Après, moi, je ne suis pas vraiment inquiet. Parce que c'est Lucien Riquet qui est aux commandes. Si c'était l'ancien PSG, là, je pouvais m'interroger. Mais c'est un nouveau PSG avec un nouvel entraîneur qui sait là où il part, etc. Donc, je ne suis pas inquiet. Je suis vraiment pas inquiet pour Manuel Ugarte. Je suis qui va s'imposer au PSG sur le long terme. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui peut vraiment s'imposer sur le long terme au PSG? Parce que on a vu des joueurs qui sont venus et partis. Je pense notamment à Ganagay. Ganagay, il a fait peut-être 6 mois après, c'est devenu compliqué pour lui. Est-ce que tu penses que ça sera le cas pour Manuel Ugarte ou alors tu penses tout simplement qu'il va s'imposer sur le long terme au PSG? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.